Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore na nene tout le monde na kanabino toujours rendez-vous politique ya masolo ndenge to lubaka toujours politique to zawana kaka to betela bino masolo ya mboka ndenge za ko kende INC auti ko sala implantation ya ba coordonnateur na ba délégué na bango ya chargé ya recrutement pe il y a implantation, il y a INC dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans les 26 provinces, il y a Kinshasa, parce que leur vision en 2023, basala au sommet de l'État, basala présidence, selon les accords Nabango Bassinia, il y a FCC fait ce que dit INC. 2023, c'est le tour, il y a INC, voilà, INC a bandit déjà Kosa là. Qu'on implantait déjà ma coordonnateur il y a ma province à ce concerne pour le recrutement et puis implantation il y a INC dans la République démocratique du Congo dans ma province Nyos. Voilà une grande cérémonie et ça n'a qu'un stade au sein il y a Barumbu Oyo coordonnateur il y a recrutement et implantation national ya INC Joseph Papi Okata oyo azalaki wana na ba membres na ba collaborateurs na ba tue ba onyo so bazalaki wana pona ko installer ba coordonnateur ya donc voilà la raison pour laquelle ba bandi déjà ba préparatif ya ko implanter déjà ba coordonnateur na ba province union so pona ba recrutement ya ba membres ba militants ya INC pour bango 2023 ba bezande tourna bango selon les accords. En tout cas, je voulais suivre ce qu'a été la manifestation où il y a implantation, il y a un coordonnateur, il y a une province, il y a un cannabiso et puis il y a aussi les autorités, les cadres, les représentants qui président Vital Kamerhe, il y a INC, secrétaire général, il y a un mot de circonstances, la raison, il y a implantation, il y a coordonnateur est chargé à celui de recrutement et implantation il y a INC dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez et puis on se retrouve juste après. Comité élargi de
accordé, mesdames et messieurs les secrétaires généraux adjoints, les honorables députés, mesdames et messieurs membres de la Fédération nationale des mamans et des jeunes, honorable secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs membres de l'interfédéral des mamans et des jeunes, chers Banamboka de l'INC, mesdames et messieurs, distingués. Honorable secrétaire interfédéral, Molendo Sakombi. Oui. Il y a un gars qui a été un maître Tom Sfiji. Il y a interfédéral adjoint à Mont-Amba. Il y a ville province de Kinshasa, honorable secrétaire interfédéral, Molendo Sakombi. Oui. Il y a un gars qui a été un maître Tom Sfiji. Il y a interfédéral adjoint à Mont-Amba. Il y a ville province de Kinshasa, honorable secrétaire interfédéral, Molendo Sakombi. Oui. Il y a un gars qui a été un maître Tom Sfiji. Il y a interfédéral adjoint à Mont-Amba. Encouragement. Merci beaucoup. À venir prononcer ce mot de circonstance. Curieusement, mon secrétaire général, je vois. Le secrétaire général représenté par Maman Tayaye. Ensemble. Merci Banamboka. Yaliboso, nakope sa binombo te na combo ya président national pe ya secrétaire général Mayo Mambeke. Maboko. Maboko pour le CG. Ya le pacificateur. Coach. Aye bisi binombo ye. Apesi ni boso mokako swa na papi okata mwana mboka oyo azali kokamba recrutement ya parti na biso tobeke na epe maboko papi okata musale somonana pe ayemisi bino boye alobi musapi moko esokolaka elokite esengeli bino bosimba papi po te recrutement esalema malamu boyete boye yango wana apesi mbote na bamama nyonso oyo bautaki kosilisa mwa de la femme alobi bamama babenda mpe bamama ebele po bakoka korejoindre UNC bakoka kotia loboko na pate pote na 2023 tozwa baelektio mbote na bino banso aya kozwa malopa. Nous allons donc appeler monsieur le coordonnateur national de la cellule de recrutement. Allô.
bolakisa quand même que Moutouassani biso awa ezalim deko Papi Okata. Vous mettez un maboko s'il vous plaît. Couleur va pas citer, mais à Yébi 88-54 AC, Moutoukana et Zaliko Kangandela. Les co-coordonnateurs. Touchman, Touchman, il y a une province, il y a Kinshasa. Alors, maman secrétaire générale à Outiawa, représentant légal, il y a honorable, maman Mbembe, secrétaire général à parti. Qui pour représenter, vous remarquez que nous avons deux personnes qui ont été représentées, numéro 1 à partir, numéro 2, Babengami Namsala Moussoussou, secrétaire général Mayo, Akei Nakisantu, Vokaka Namakambo, la partie présente à Sinesine. Et président Pebo Yebi, Atikani Namboka, Mokote Kola Zalibanda, donc Yazana Makambo Ibele. A Pessibi non son beauté. T'as pas de la maman comme ça. Non, 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 pacificateur. Jusqu'au bout. Lili, les gens vont prendre la yé. Nandengue Oyo, vous pour répondre. Togosé Nalabino, merci. Merci Mingi, Nandengue Bondimi, pour brave Moi. Bondimi, pour répondre à ma peine, monsieur. Les mêmes amis, vous pouvez vous présenter, vous pouvez nominer la mission. N'a pas nominé, n'a pas nominé. Les amis responsables, nous n'aimons pas les missions. Nous sommes notre Toyebi 2023, les amis tournent la mission. Moussala et Kobanda, Lelo, Netikaka, président et Moko Lobaka, du recrutement et implantation, les amis, pour moi à partir, Yamboana, Lelo, Oyo, Toresi, pour implanter et pour retrouver 145 représentés à 145 territoires, Oyo, partir au Tindabango. Dans la laps d'État, je vais vous la bishopé, ma sectionnaire. Parce que le missionnaire va vous donner un objectif, pas une parcelle sans INT. Alors, je vais vous militer parce que nous avons plus de 500 milliers pour que vous après Maloba, il y a numéro 1, où il y a le représentant du président, le Tourbeng Abambo. Dans la Saint-Divino, merci. Merci. Merci le cordon national, Papi Okata. Tokobenga, tout Oyo, Soki Bino Bonigalité, à côté de Missa. Abiso Basso, Tosalico Yamba, Tosalico Yamba, le représentant personnel, et l'obito Yambi donc, mon conseil Abiso. À qui nous devons respect, considération et donc prendre la parole au nom du président national, monsieur le président du conseil national, très respectueusement, je vous prie de prononcer votre nom, votre mot de circonstance. Merci monsieur. Yense! Yense! Mon Thomas!
Pour une petite présentation, on m'appelle Miri Bicharanga Ogrégoire. Donc, vrai, ici, mes collègues, pour avoir travaillé pendant 12 ans à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je suis président du Conseil national de l'INC, c'est-à-dire du Parlement du Parti. C'est à ce titre qu'il a pris son Excellence, Monsieur le Président national de l'INC, Vital Kamerhe, de me désigner pour lui représenter à l'occasion de cet heureux événement. Je vous prie de l'applaudir. Il est empêché pour des raisons d'obligation d'État. Soyez sûr qu'il est parmi nous et que chaque seconde il sait ce qui se passe ici. En son nom, qu'est-ce que je dois dire? Si pas remercier la cellule d'implantation ou la cellule de recrutement et d'implantation de notre parti. Quand on m'a demandé hier soir d'être ici, à ce lieu de place, je me suis posé la question s'il fallait rédiger un discours. Mais en même temps, je me suis ravisé pour dire que Dieu va nous aider pour que les terres soient développées, c'est en tenant. C'est-à-dire que ce mot, je le place sous la théorie de la serre. Comme vous le connaissez bien, tous les arbres que nous voyons germent, grandissent grâce à la serre. Nous-mêmes, les humains, nous vivons pour des raisons naturelles, mais ce qui est important, nous avons chacun 10 ans. Qui fait que finalement, tous nos organes, nos organes du corps humain fonctionnent. Ceci que, en faisant un parallélisme entre la sève et la cellule de recrutement, je me suis rendu compte que la cellule de recrutement, c'est une cellule charnière, très importante pour notre parti. Pourquoi? Parce que c'est elle qui alimente tous les organes du parti. Les congrès, la direction politique nationale, qui alimente le secrétariat permanent de la direction politique nationale, alimente le secrétariat politique national, alimente le conseil national, alimente l'inspection générale. La cellule de recrutement et d'implantation alimente toutes les structures spécialisées qui passent. Aujourd'hui, nous en avons 9. Nous avons la cellule à laquelle nous faisons honneur en ce lieu, la cellule de recrutement et d'implantation. Mais en même temps, nous avons le comité national des femmes, nous avons le comité national des jeunes, nous avons la cellule électorale nationale, nous avons l'école du parti, nous avons la cellule de communication et de publication, nous avons la cellule de mobilisation et propagande, nous avons. Et tous ces organes, toutes ces structures ne peuvent vivre sans l'apport de la cellule de recrutement et d'implantation. Ce sont nos apports qui parcourent nos émerveilles pour convaincre, pour recruter, pour baptiser les indécis avec que tous soient nagés, n'est-ce pas, dans l'eau des baptêmes de l'INC. Il doit être regardé avec grand respect parce que sans elle, il n'y a pas d'INC. C'est elle finalement qui va parcourir les 26 provinces qui comptent notre pays. C'est elle qui va identifier les cadres et nous proposer une banque de données qui nous promette de juger les capacités, parce qu'au-delà d'être un parti populaire, nous sommes un parti élitiste.
d'une, comment on appelle, une génération spontanée. Recrutée par hasard, au hasard. Non, dans un parti sérieux, lorsque on demande telle spécialité, telle compétence, selon le profil, le parti doit être capable de pointer les doigts à une personnalité, à un cadre, à un membre capable de répondre aux vœux et aux souhaits de la société. C'est ainsi que lors des élections municipales, urbaines et locales, cette fois nous n'irons pas chercher. Je voudrais que le coordinateur Okata s'approche de moi. Vous pouvez monter. Okata, c'est une personnalité du parti désormais sur laquelle nous comptons pour drainer des masses laborieuses, des masses élitistes, des masses capables d'impulser le propre parti dans le firmament de la gestion sans partage. Je dis bien sans partage. Quand je dis sans partage, je suis dans les caches. Parce que la situation que nous traversons, ce n'est pas ça notre idéal. Ce n'est pas ça pour lequel nous sommes bâtis. Maintenant, nous devons préparer un lit où nous allons tous dormir comme cache, sans rêver qu'il y a un voisin qui va perturber le sommeil. Et votre rôle, M. Okata, c'est de raffermir votre avantage. Je sais que c'est pénible. Je sais que vous travaillez dans des conditions difficiles. Je sais que vous n'avez pas peut-être de moyens. Mais il faut regarder d'où nous venons et où nous sommes et où nous allons. Le président national, l'autre fois, il disait, c'est maintenant que le travail commence. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes au début du parcours. C'est maintenant que nous amorçons le décollage. Et une des structures d'appui au secrétariat général pour raffermir, pour consolider, pour donner du tonus à ce décollage, c'est la cellule de recrutement et d'implantation. Donc, commencez à réfléchir, proposez à l'hiérarchie. C'est maintenant les cadres que nous devons positionner à travers la République pour que cette fois, nous soyons sûrs de gagner les élections urbaines, les élections communales, et les élections municipales. En même temps, nous nous préparons pour un assaut qui doit être consolidé dès maintenant, n'est-ce pas, de la présidence pour 2023. Au nom du président national, de qui j'ai eu mandat de prononcer ces mots, je vous félicite encore une fois, tous. Les membres du parti, j'ai vu les secrétaires généraux adjoints, j'ai vu les secrétaires politiques nationaux, j'ai vu les dirigeants des différentes structures spécialisées, j'ai vu des responsables des interfédérations, des fédérations et des comités urbains et communaux. À tous et à chacun, c'est maintenant ou jamais, et que chacun intériorise que cette affaire nous concerne tous, pas seulement au Okata. Il faut l'appuyer, appuyer les partis, appuyer le président national, et nous allons gagner. J'ai dit et je vous remercie. FIS 2010 du 19 juin 2010. Le président national. Décision numéro 004/PN/INT/2018 du 5 avril 2018 portant nomination des membres élargis de la cellule implantation et recrutement national de l'INT. Le président national. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 01/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu arrêté ministériel numéro 111/2010
du 19 juin 2010 du vice-premier ministre numéro 0161/2018/2018 pour le 14 décembre 2010. Vu la lettre numéro 25/cabinet/CAB/VPM/MINITEX/7/108/2010 du 28 février 2011 de Monsieur Marcel Dandou et Koukou. Coordonnateur national, ma coordonnateur de zone, ma coordonnateur provincial, même il y a ma district, même il y a ma village. Pour ça, l'année en Gouana, pour tout atteindre l'objectif et boulir, par mon compte de la vie, Vital Kamel. Merci beaucoup. Mais c'est une mission qui demande énormément de cette équipe de moyens conséquents. Ce qui est important, c'est d'avoir les moyens humains. Comme on a eu les moyens humains, les moyens financiers matériels, là ça nous va. Peut-être un mot à tous les héros promis. Oui, je vais leur dire ceci. Ce qui est le syndicat de responsabilité, c'est les partis qui ont de leur faire confiance, les partis aussi pas de mettre les moyens à leur disposition, et eux aussi à leur coup, qui puissent nous aider à atteindre les autres objectifs. Les gens du terrain, ils ont été complètement.
de déployer ce que vous avez fait de faire de moyens. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, merci na bien sur boutique Olanda. Comment manifestation Salamanki Boulandi, comment coordonnateur national et à recrutement et implantation, il y a INIC, Joseph Papio Kata Nenge Alobaki, na micro na biso après minulu, il y a présentation, il y a ba coordonnateur Union Sabadaki nominé et pas il y a Vital Kamere, le président national, il y a INIC. Voilà, merci Boulandi. Commentaire ça les athées, restez toujours fidèles sur www.voiceofcongo.net pour vous avoir sangoya mboka na temps réel. Bye bye.